Chers amis, notre pays a achevé l'année 2018 dans un climat un peu particulier. Un climat de colère pour certains qui ont exprimé leur désarroi, parfois leur désespoir, dans la rue, sur des ronds-points, dans nos villes et dans nos campagnes. Un climat de crainte pour d'autres qui sont légitimement inquiets pour l'avenir de leurs enfants dans un monde où tous les dangers nous guettent. Le danger climatique qui explique pourquoi la transition énergétique n'est plus une option. Le danger du repli sur soi et du clivage, alors même que nous devons rebâtir l'Europe. Le danger du statu quo dans une économie mondialisée et en complète transformation. Oui, les défis que nous avons à relever sont nombreux, mais nous ne pouvons remettre encore à plus tard des réformes qui sont essentielles. Aujourd'hui, c'est bien ensemble, tous ensemble, que nous allons devoir relever ces défis. Ne l'oublions pas, au cours de notre longue histoire, notre pays a toujours su se relever et se surpasser pour surmonter les crises. Et c'est dans cette France-là que j'ai foi. Je vous souhaite à tous une année 2019 où nous allons inventer ensemble la France que nous aimons, inventer la France dans laquelle nous aimerons voir grandir nos enfants. Très belle année 2019.